Une de chaque par... Ah ok ok c'est bon j'ai compris. C'est quoi mon identifiant pour go? Point d'exclamation go. Point d'exclamation go. Ok. Enfin faut faire point d'exclamation go dans le chat hein. Ah oui voilà. Ah c'est go ou pogo? Oh je comprends rien. Ah non c'est go, c'est point d'exclamation go, c'est bien ça. Oh putain faut... Oh oui mais sûr déjà shiny en 53 E. J'ai trop de chance. J'ai trop de chance. C'est abusé. Oh là 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 là. Mais j'ai tellement de chance. Non mais vraiment c'est trop hein. C'est trop hein. Ça va commencer à se voir hein. 53 E YouTube, tu te rends compte? C'est une chance sur 512. 53 E pour ce oui messire. J'aurais passé presque autant de temps à aller chercher un oui messire dans la forêt avec la bonne nature qu'à trouver le oui messire shiny. Incroyable. Donc il est là. 53 rencontres. Je voulais le faire comme ça parce qu'il est pas évident à rencontrer dans cette version hein, sur épée et bouclier. Ou alors c'est un petit peu chiant. Voilà, le Masuda ça se fait très vite. Et on a la version femelle du Pokémon, hein, le mâle et femelle qui sont très différents. Ici on a la version femelle. Très content que ça tombe très rapidement, hein, les Masuda on est content quand ça ne s'éternise pas. Donc ici très cool. On se retrouve avec Croissantine. Rapport aux petites couettes sur le côté de la tête, on se dit que ça ressemblait à des croissants. Croissantine quoi. Ah c'était ça ou les 10 croissants. Mais les 10 croissants ça passait pas. Voilà, et si t'as des meilleures idées, n'hésite pas à le mettre en commentaire et à venir sur les live Twitch pour nous donner ses idées hein, pour les prochains shiny parce que c'est compliqué. Donc Croissantine, petit shiny qu'on a trouvé en Masuda, donc seulement 53 encore une fois. Modeste de nature, c'est la nature qu'on avait loquée sur le parent, donc. Tempo perso en talent, on aurait préféré synchro ou créa brume, quelque chose, mais pas tempo perso. Donc dommage. Attaque, voilà, classique pour son niveau, hein, je rappelle qu'il est au niveau 1. Pas de ruban bien sûr, parce qu'on l'a eu en Masuda. Et au niveau des IV, alors on n'avait pas de parent, c'est-à-dire que le parent qui était Wimessir n'avait pas d'IV à 31, donc... Voilà, on se retrouve forcément avec un Pokémon qui a très peu d'IV à 31, seulement 2 ici. Donc l'attaque SP et la défense SP. Voilà. Voilà pour ce oui messire qui est tombé très vite encore une fois. Je suis très content hein, quand les Masuda se passent aussi bien que celui-ci. Voilà YouTube, tu sais tout sur ce petit oui messire shiny. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas évidemment à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être tenu au courant de tout ce qui se passe ici. N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch également et les réseaux sociaux, le lien est en description. Nous nous retrouvons très vite pour du nouveau contenu. D'ici là YouTube, prends soin de toi. Au revoir et des bisous.